Et bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de Breath of Fire 3. Donc on vient de buter Geist, hein, je vous rappelle, et on va se rendre directement chez Deis afin de la libérer. Donc on sera à la Tour de l'Ange. Ça va être plutôt sympa. J'adore, ça fait temple Maya ou Aztec, j'adore l'architecture de la Tour de l'Ange. Alors par contre je me rappelle plus trop bien, je crois qu'il faut que je monte. On va se taper 18 000 combats. Voilà. Il me semble c'est qu'il faut que je monte par là, que je tourne là. Et tac. Voilà. Donc voici Deis. On va voir ce qui va se passer. Deis. Elle a prononcé son prénom, c'était la formule magique. Bon, elle est à poil, mais elle est libre. Elle est libre, grâce à nous. Victoire. Oui, j'arrive. Gardien, gare. Venez ici. Ouais, j'ai été sûr qu'elle allait lui exploser sa race. 100%. Espèce d'idiot de lourdeau de gardien. À quoi pensais-tu en m'enfermant là-bas? Pendant 500 ans, j'aurais mieux fait de t'expédier en orbite. Ah là là. Bon, je crois que la raison pour laquelle tu m'as libéré montre que tu veux enfin entendre ce que j'ai à dire. Mais c'est trop tard, cervelle de moineau! Bon, d'accord. Tout n'est peut-être pas désespéré. Ok. Ah, elle est trop drôle, Deis. En plus, la musique un peu rock'n'roll derrière, j'avais oublié ce passage. Il semblait qu'elle le frappait, mais j'étais pas sûr. Mais la musique, inside. Qu'as-tu fait? Ok, c'est Deis qui arrive là. Est-ce que c'est un poisson? Crois-tu que tu fasses ça, abruti, idiot? Mais notre déesse a dit qu'ils étaient mauvais. Et tu n'as jamais pensé qu'elle pouvait se tromper, idiot? Putain, c'est fou, il me ressemble de ouf, en femme. Je t'emmènerai voir ta stupide reine. Déesse, respecte un peu plus notre déesse. Geist derrière. Oh, elle va examiner les cadavres et tout. C'est mignon. Bah, c'est mignon. Si tous les membres de la race étaient morts, l'Artus serait vraiment perdu. Mais il en reste un. Moi. Il reste encore un enfant de la race en vie. Bon, ça, voilà, on le sait. Les dialogues sont quand même. Ils ont meublé quand même sur certains trucs. Et Dieu dans tout ça. Après, ça fait quand même. Des dialogues qui sont assez comment dire, qui sont assez conséquents et qui expliquent vachement les choses, donc c'est plutôt cool. Le plus important d'abord, gardien, les esprits des dragons morts sont trop puissants ici, nous devons aller ailleurs. Il devrait y avoir une grotte au pied du volcan à l'ouest d'ici. Retrouvons-nous là-bas. Le volcan à l'ouest, compris, mon petit dragon. Mon petit dragon. Ok, c'est. Vous savez, le volcan là, c'est comment ça s'appelle? J'ai oublié. Non, c'est le Mont Zublo? Ouais, ça, Mont Zublo. Allez. Ray, ce n'est pas dedans que personne. Wow, c'est normal. Attendez, il y a peut-être quelque chose à récupérer non, en vrai. Non, c'est une pièce vide. Je sais pas, je préfère vérifier. Ouais, une pièce vide. On continue. Donc, direction Mont Zublo, tranquillement. Hop hop hop, rip. Attendez, faut que je passe par là. Ah, vous suivez. Parfait. Tac, on passe par là. C'est tout droit. Direction Mont Zublo.
Mon jumeau juste ici. Et du coup, la grotte, ça va être. Vous savez, là où il y avait des écritures, là. J'étais sûr qu'il y avait un truc. Bah, je me souviens, en fait, c'est elle qui est juste ici. Je sais pas si moi je peux lire. Dis, c'est l'endroit où Daïs parlait. Parfait, ça. Bon, il y a eu un petit pixel mort, mais on va rien dire. Stylé de ouf. Te voilà, mon petit dragon. Pas d'inquiétude. Voilà à quoi je ressemble, en fait. Vous pensiez que je réapparaîtrais encore nu? On dirait un Worms. La forme sur laquelle je suis prisonnière m'empêche d'utiliser pleinement mon pouvoir. Je t'aime bien ainsi. Merci. C'est vraiment parler à une dame. Yagar. Bon, puisque vous êtes tous là. Ah oui, je crois d'ailleurs que là, ça peut devenir un maître. Mais du coup, il fallait que je lui dise un truc gentil. Mais non, idiot, je vais vous dire comment aller là-bas. Avant d'être emprisonné, j'aurais été capable de vous conduire là-bas moi-même. Mais là, j'en ai plus la force. T'as rip tout ça parce qu'on l'a emprisonné, quoi. D'accord, mon petit Solus, je vais ouvrir ton œil, afin que tu vois le chemin par toi-même. The Golden Eye. Ça pourrait faire un peu mal. Je vais juste serrer les dents à cet instant-là. De heck, super stylé. J'avais oublié tout ça, c'est vrai que mon Solus. Ce Solus s'appelle le Prana, l'œil de Dieu. Si tu suis la lumière, tu trouveras le Dieu qui a engagé les gardiens pour anéantir ton peuple. Mais vous savez, ça me fait vraiment penser à Dreamland, donc le manga français qui est écrit par un Montpellierien. Au nord, ok. Très très loin vers le nord, au-delà de l'océan. Il faut un bateau! Et il a fait un Golden Eyes justement pour que le héros principal puisse accéder à sa quête. Et ce Golden Eyes, justement, c'est une grosse ligne dans le ciel, tout goldé. À vous de voir comment comment y parvenir. Je peux pas le faire pour vous, c'est tout ce que je peux faire. Alors c'est à toi, Solus. Bonne chance. Okay. Garvey, bien sûr, lui, tu veux. Veillez à ce qu'il ne lui arrive rien, d'accord? Je jure sur la vie de la race que j'ai pris ce qui ne lui arrivera rien. Ok, Gar, si on se tape un game over, c'est de ta faute. On dirait que je vieillis. Quand quelque chose me paralyse comme ça. Tu dois sentir ton âge, toi aussi. Ma sœur. Dieu et sa sœur, je crois. Solus, gare! Vous arrivez enfin! Et c'est Nina qui est avec nous. D'abord Solus, puis toi, gare. Vous avez tout simplement disparu, j'ai eu peur. Que s'est-il passé? Vous avez vu Dace? Vous avez rencontré Dieu? Bien non. Dieu est très loin au-delà de l'océan. Ah oui, c'est vrai qu'avec ce setup, vous voyez pas forcément tous les dialogues là quand ils sont ici. Nous avons bien besoin d'un navire. Ok. Vous pouvez utiliser celui-là pour vous rendre chez Dace. Mais elle doit avoir besoin de calme. Ok. Donc j'y retournerai après. Alors, un truc qu'on peut faire maintenant, je pense. C'est qu'on peut aller à Vaux. On peut retourner voir tous nos maîtres en vrai. Je pense que ça peut être pas mal. Je retourne à Vour. Je vais aller voir les maîtres là. Ce sera pour Préco, je pense. Et je vais voir s'ils sont tous là. Et si. Normalement, oui. Bah, c'est bon. Ils n'ont jamais cru que tu boues.
que vous les trouverez tous. Désormais, vous faites tous partie du gang. Si tu m'écoutes bien, ta force augmentera. Je parie que je dois te montrer tous mes trucs. Bah ouais, oui, d'accord, ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les changer de maître tous un par un, en vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que lui va aller voir Bunyan. Ça, c'est sûr et certain. Gar, il va retourner voir son maître aussi. Parce que Bunyan, il doit m'apprendre quelque chose. Bunyan doit m'apprendre quelque chose, mais je sais plus c'est quoi, mais il manque une technique qu'il m'a pas apprise encore. Donc on va aller le voir. Nina, je sais plus qui c'est son maître, c'est pas Durandal. Durandal, j'ai pris tout ce qu'il avait à me donner. Nina, de toute façon, faut que je lui mette l'autre là, comment il s'appelle. Faut que je me TP jusqu'à chez lui, attendez. Ah, tu es de retour, as-tu travaillé dur? Est-ce que quelqu'un va encore écouter mes conseils? Bah, je crois que j'ai tout appris de Bion, puisque moi je suis niveau 30, presque 28, j'ai plus grand chose à apprendre. Hein. Je crois que j'ai tout appris. Divide et Yggdrasil. On va aller voir Yggdrasil en vrai, avec Nina. Juste, il y avait quelque chose, il y avait un coup, je sais que c'était trop chiant à prendre. Mais que j'aurais dû l'apprendre avec. Avec Ryu, mais je l'ai pas. C'est pas. Non, c'est pas centre. Je sais pas. Si je veux aller par là, faut que je traverse le truc à pied, c'est ça? Je vais traverser à pied. Ça, ça à pied, pardon. Juste ici, à quoi? Pas se TP là-dedans? Il me semble que si, justement. Voilà, c'est ça. Ça va être cool. On va aller là. En gros, c'est téléporteur, je vais montrer comment il marche. Là, on va retourner avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on est chez Durandal. Position actuelle, point relais B. Sire destination. Donc là, Erg, Jarl, Minderg, donc c'est là où il y a l'autre mer. Jarl, c'est là où j'étais. Vour, point de relais A, c'est ici. Et du coup, il y aura un autre point de relais. Il y aura un autre point de relais. Faut que je dise Vour, du coup. Parce que là, du coup, je suis dans le château, je crois. Je suis dans le château, ça. Et j'ai un autre maître, là, que je peux aller chercher, ici. C'est... hop. C'est juste à partir de maintenant, en fait, que je peux aller chercher. Donc là, j'ai les enfants de vos maîtres. J'ai aussi Ashio. Ashio, c'est le cuisinier du roi. Et Dace qui va pouvoir aussi devenir un nouveau maître. Ah, laissez-moi deviner. C'est ça que vous voulez, hein. Vous avez entendu parler de moi et vous êtes venu. Pour devenir cuisinier, c'est ça? Oui. Je le fais pas gratuitement. Je vais réfléchir si vous m'apportez tous les ingrédients que je veux, ok? Apporter de la viande, c'est chez un œil d'hirondelle. Aussi une lotte et un calamar mars. Revenez. Est-ce que j'en ai déjà sur moi? Je crois que j'ai l'œil rouge, je l'ai. Oui. Ok. Bah, en vrai, ça, je le ferai peut-être en off, tranquille. J'irai chercher les trucs. Au moins, vous savez que là, si vous lui apportez ça, vous avez... Vous avez pas mal de trucs, il faudrait que je complète la partie solution là-dessus. Mais j'ai jamais pris en tant que maître assurance, c'était peut-être une mauvaise idée, mais je pense que il peut devenir vraiment un très très bon maître. Et ben nous on va aller à Vaux, faut que Nina aille voir Yggdrasil. Rey, je sais plus qui je lui ai mis comme maître. On va aller le voir aussi. Une fois que Nina aura vu Yggdrasil, on retournera à... Oh putain, ça va être long. Ouais, c'est pas grave, on va gérer les maîtres aujourd'hui, on va pas se prendre la tête. Ça va être tranquille. Au moins, comme ça, vous voyez aussi ce qu'il faut que vous fassiez en off, hein. C'est ce qu'il faut faire en off, quoi, tout simplement. Yggdrasil, et puis on va aussi aller voir l'autre, Livid, là. Je cherchais son nom. Hop, Livid, il est ici. Pourquoi est-ce que je suis sorti?
parce que je voulais faire attendre. Hop là, on re-rentre tranquillement. Hop, il est juste ici. Et encore vous, que voulez-vous? Eh bien, quelqu'un me vient mon apprenti. Mais comment ça, il m'apprenne plus rien? Après, garde, je vais pas utiliser. Il a pas monté de level. Il a pas monté de level. Attendez, je vais voir 2-3 trucs. Ok, donc on se retrouve avec Dracine maintenant. Faut que je parle avec Peko. On va les mettre à Peko. En fait, il me manque Fendre avec Ryu. Ok. En vrai, moi, je pense que Yggdrasil, c'est peut-être le maître pour Nina, mais pas tout de suite, en vrai. Quoique, il y a qui d'autre comme maître que je pourrais lui mettre? Personne d'autre. En gros, ce qu'on avait marqué sur la Solus, hein, sur RPG Solus, au cas où ça vous intéresse, on avait Migas pour Momo. Ou Nina, il apprenait Gel, Méditation, Balle Magique Typhon, mais je crois que je les ai tous appris. Ça c'était un peu chiant. Attendez, équipement, capacité. Typhon gelé, en vrai ça sert à rien que je l'apprenne. Faut que j'aille voir ce que Momo a comme maître, c'est le plus important. Parce que en vrai, on peut laisser Nina sur Yggdrasil. C'est Yggdrasil, je pense, c'est le. Qui fait sanctuaire, rappeler bouclier. Ça pourrait être faire une Nina qui pourra heal en plus. C'est plutôt correct et j'ai fermé le jeu. Excusez-moi, je relance. Donc, ce que vous pouvez faire, les potos, si vous êtes un peu perdu niveau maître. Genre là, c'est à peu près le mid-game. On va dire que c'est à la fin du l'early, quoi. C'est le début du mid. Il faut vraiment que vous fassiez pas n'importe quoi à ce niveau-là. Glonzon divide du Randall. Pourquoi est-ce qu'il me met une petite étoile? Parce que Glonzon, j'ai fini. Du Randall, je l'ai pas pris. Ondara, j'ai fini normalement aussi. Je sais pas, quand ça met une étoile, c'est. Il y a quelqu'un qui est son élève. On a Base, Meryep et Mitai. Il nous manque les 4 là, plus 2-3 de late game. Bunyan, ok. Migas, il a personne. Yggdrasil, il a les deux, mais Peko, on va le virer. Donjon, il a personne, mais Donjon, j'ai fini. Est-ce que Livid a tout appris à Agar? Regardez ça. Voir les aptitudes. Donc là, je pourrais mettre toutes mes aptitudes. Il faudrait que j'utilise de l'encre. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. Non! Ah, j'ai mis ça. C'est bon. On va changer les combattants. On va voir ce que Gar a. Et on va voir ce que Momo. Bah, Gar, je l'ai avec moi. On va voir ce que Momo a. Et Ray, je lui ai toujours pas donné de maître alors qu'il combat avec moi depuis le début. Je suis un abruti. Il aurait pu choper quelques capacités gratuites. Capacité. Il a juste appris contre-attaque, c'est tout. Il apprend quoi, Livid? Contre-attaque, charge, résistance. Ah, la résistance, en fait, c'est ce qu'il nous faut. C'est comme le fendre, hein, c'est les trois derniers qu'il nous faut. Donc, eux, ils vont rester avec leur maître. Momo, il a appris monopoliser, voler. Donc ça, c'est ce qu'il apprend avec... Comment ça s'appelle? Ondara. Glonzon, utiliser intimidé volé. Donc, Glonzon, elle a plus rien à apprendre à Momo. Donc là, Momo, faut lui trouver un autre maître. Et Momo, en vrai, on peut amener Momo. Enfin, ce qu'on va faire, c'est que... Il faut Peko et Nina. Nina, on va le laisser chez Yggdrasil. Momo, on va l'amener chez Migas. Et... Gar, on va le laisser. Et Rey, il faut un maître pour Rey, par contre. Qui c'est qu'on pourra mettre comme maître pour Rey? Là, je réfléchis. Durandal, non. C'est Nina. Durandal, il a plus rien à apprendre. Blonzon, il a plus rien à apprendre. Yggdrasil. C'est Nina, elle est en élève. Gyoto, on l'a pas encore. Livid, c'est celui qui est. Gyoto, c'est le maître pêcheur. Livid, c'est Fal.
Le tenancier du bar de Jemnel. Donc lui, on a Gar. Donc voilà. Meriep, par contre, ça peut être cool. On peut mettre Momo avec Meriep en vrai. Pardon, excusez-moi. On peut mettre Momo avec Meriep. Ça peut être pas mal. Cham, Charme, Marchand, Krydia. Et Memidias, en vrai, elle donne de l'agilité, de l'évasion. En fait, non, Meriep, c'est pas pour Momo, c'est pour Ray. On va les mettre Ray avec Meriep. Charme, Marchand de cri de guerre, c'est trop fort. Et Mitaï, bon, ce sera pour Nina. En fait, Nina, elle a tellement de. Nina, elle a tellement de maîtres, c'est un truc de ouf. Hein. Antidote, Kyrébénir, pareil, Ondara, c'est pour. Comment ça s'appelle? C'est pour Nina. On va les mettre. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que Momo, on va le mettre à Amilias. Peko, on va le mettre. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire Momo Amilias. Peko, on va le donner à un des deux. Un des quatre, là. Après, on reprend Peko avec nous. On va changer le maître de Rei. Et puis, voilà. Et puis, nous, après, comme ça, tout le monde a un maître. Et tout le monde est content. Et moi, le premier. Je vous avoue que. Voilà, c'était compliqué hein, de réfléchir. Et HO et tout, en vrai, on verra plus tard. Ah, bah vraiment, dans cet épisode, on n'a fait pas grand chose. Je suis un peu dingue. Mais bon, c'est pas très très grave. Peko, alors, Peko, on va te mettre. Hop, juste ici. Peko, il va devenir l'élève de. Bon, on va commencer plus à gauche, comme ça, moi, je suis sûr qu'il aurait fait l'élève de tout le monde. On commence plus à gauche, d'accord? Langue, tu m'as vaincu, j'abandonne. Je reconnais quand je suis battu. On ne dirait pas, mais je suis très fort. Je pourrais t'aider si tu veux. Qu'en dis-tu? Oui. Tu es sûr, tu ne vas pas le regretter plus tard. Ok, si c'est ce que tu veux, je fais de mon mieux. Donc, Peko devient. Là, ça, j'ai attendu que Peko. C'est pour ça que j'ai laissé le niveau 1. Hein. Peko, j'attendais vraiment que. Soit comme ça. Et prévois si tu changes d'avis. Parfait. Donc, Peko, il va prendre. Ses 4 en maître, ça va leur lui donner un peu. Ça va lui buff un peu ses stats en early. Et en plus de ça, on va apprendre des formations. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Migas, il est pas là. Momo, faut qu'il aille chercher Migas. Putain, mais Race, j'ai pas mis un seul maître quoi, j'ai le seum. Migas, c'est juste. Juste ici, je crois. Oui, il est ici. En early, j'avais mis Tipo avec Migas. Regardez. Il est magnifique, mon petit Migas. Il est juste ici. Pop. Migas, bienvenue, mes élèves. Ah, bienvenue, mon gros. Quelqu'un d'autre va avec moi. Oui. Momo, Meryliep. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y avait Meryliep. J'aurais dû aller la revoir avant. J'aurais dû aller la revoir avant, le truc c'est que j'ai pas save. Donc, faut que je refasse. Attendez, on se retrouve juste après. Ok, donc du coup là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que j'ai mis Peko, j'ai changé les compétences. J'ai mis Peko tranquillement au bon endroit. Ce qu'on va faire au cas où. Ok, non, on s'en fout un peu. Quand même une safe state, sait-on jamais. Là, on va prendre Peko en first. Ah non, il faut qu'on prenne. Non, faut que je me prenne moi aussi. Quel plaisir. Regardez les premiers niveaux gagnés par Peko. Ouais, il faut 14. Ah, ça, sachez que c'était un petit plaisir. Je vais sûrement le farm en off, je pense, le Peko là. Tranquillement. Ah, rip. Rip, 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 rip. Attendez, faut que je recommence. Ah, j'ai les seums. J'ai les seums, faut que je recommence parce que j'ai fait n'importe quoi. Ah, ça me rappelle qu'à chaque fois je sortais et je revenais quoi. C'était l'enfer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les trois arbres. Là. Magnifique. Deux ennemis, je sais peut-être ici comme ça. S'ils se trompent, Peko. Ok, nickel. Meryliep qui apparaît cette fois. Je vous rappelle qu'on lui avait donné un diadème d'effet et tout. Donc peut-être qu'elle va nous apprendre quelques petites choses avec Momo. Si elle nous apprend tout avec Momo, en vrai, je mettrai Ray quand même. Au cas où.
Entre parler, mon ami. Ah non, faut que j'aille lui parler. Nous avons entendu. Momo semble avoir de nombreux secrets. En voici un autre. Momo a pris charme. Ok. Allez, salut. Momo semble prendre de nombreux secrets. Momo a pris marchand. Ok. Allez. Vous avez entendu. Ok. Donc, en vrai, ça va pour l'instant. Les secrets ne vous intéressent plus. Ok. Allez, salut. Ok, Momo a appris quand même deux trucs, donc en vrai, je vais peut-être pas le changer de maître tout de suite. Il lui manque une seule compétence à apprendre. Par contre, je vais quand même mettre. Je vais quand même mettre Ray aussi chez Merillet. Après, en vrai, Ray, je peux le mettre chez quelqu'un d'autre, hein, parce que. Je commence à voir. Le truc, c'est que Ray en magie, il va être nul à chier. Mais quand je dis nul à chier, c'est que vraiment, il va être nul à chier. Je peux le mettre chez Dace, en vrai. Attendez. Je vérifie. Dave, ça lui donne quoi? De l'agilité, des PC, de l'intelligence, ça sert à rien. C'est pour Ryu. Bah, j'avoue que Ray, en fait, il y a l'addon qui peut être intéressant pour lui. Il peut y avoir Ashio en vrai. De la force et tout. C'est compliqué, je sais pas qui mettre pour Ray. En vrai, Ray, je pense que je vais lui mettre Mister là. Et Nina, ouais, Nina reste avec son maître du coup. Ouais, c'est Gracie, donc en vrai, c'est pas mal. Sinon, Ray peut apprendre balle magique, ça peut être pas ouf, pas dégueulasse. Après, il perd en évasion, il perd en force, en défense. Gagnant un tel, ouais mais c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Réfléchissons. Quels pourraient être les. Putain merde. Ah si bah de Lonzon. Lonzon ça peut être le seul, il donne 5 en évasion, 10 en initiative, 5 en précision, c'est insane. Ouais, il a pas tant besoin de précision ouais. Oh là 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 là. Ondara. Sacré mort plus 2. Antidote qui rébénir. En vrai, je pense que Ondara ça peut être pas mal. Peut-être pour vrai. Ça réduit un peu la force et l'intel. Ouais, non, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Sacré puissant, mort puissant. C'est peut-être. Ah, mais non, de toute façon, il faut apprendre Domain. Donc il y a que Nina qui peut aller sur Ondara. Il y a vraiment que Nina qui peut y aller. Et sinon, si Yggdrasil, je le laisse à Ray. Ça peut être. En vrai, si Yggdrasil, je le laisse à Ray. Ouais, mais pareil, ça augmente la défense, ça augmente l'intelligence, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et Mita, il paraît que c'est intelligent. L'intelligence, c'est l'épée. En fait, c'est tout l'intelligence presque, hein. C'est ouf. Bah, à part Ashio là. Ça va être compliqué. Hein. Je vais vérifier un truc. Pour Ashio, il me manque quoi? En vrai, c'est le seul qui m'intéresse vraiment. Hiro et viande. Je crois que la viande, je l'ai bouffée comme un con. Non, viande, elle est là. J'en ai 6. Le Hiro. Il est là, parfait. Donc, il me faut deux poissons. On va retourner voir Ashio. Il me faut un calamar Mars, c'est ça. Est-ce que je n'ai pas le calamar Mars? Calamar Mars, je l'ai. Mais il me manque quoi? Il me manque qu'un poisson pour Ashio. Mais c'est trop bien! On va aller le voir. J'ai peut-être trouvé un maître pour Ray, du coup. J'avoue que ça pourrait être pas mal. Let's go, Peko. Oui, en gros, c'est super agréable parce que ça me permet de vous TP vraiment super souvent. Mais là, vous voyez, le truc, c'est que Nina chez Yggdrasil, alors qu'elle a encore Emitaya à aller voir, elle a deux autres maîtres, hein, Nina, à aller voir. En plus Yggdrasil. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait pas mal.
Donc du coup, il nous a dit... Allez, c'est moi deviner. C'est ce que vous voulez, hein. Oui. Viande sèche, œil d'hirondelle, une lotte à un calamar mars. Mais en fait, la viande, je l'ai, mais c'est pas de la viande sèche. Est-ce que j'ai une lotte? Parce que si le seul truc qui manque, c'est la viande sèche, ça va être l'enfer. Je peux pas l'avoir comme bête. Est-ce que j'ai une lotte? Dis-moi que j'ai pas de lotte et que c'est ce truc qui manque. Dis-moi que j'ai pas de lot, s'il te plaît. J'ai pas de lot. En vrai, j'ai regardé où est-ce que je peux trouver les lots. Et puis on va aller en chercher une. On va aller chercher une tranquillement. Ok les mecs, j'ai trouvé quelque chose. Faut qu'on aille à la tour de l'ange, il nous faut un centre. Voilà, c'est tout. Mais en vrai, vous savez quoi? Je pense que moi je vais vous laisser là parce que c'est pas très intéressant ce que je vais faire. Quoique si, on va aller pêcher une lot ensemble, ça peut être sympa. Ça peut être, en vrai, ça peut être cool si on va pêcher une lotte ensemble. Je reviens, ouais, je reviens où là où j'étais en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Tac. À Tour de l'Ange par contre, vous pouvez pas vous y TP, je crois. J'ai pas trouvé de lieu où on peut se TP pour l'instant à Tour de l'Ange. Il y en a peut-être, hein. Peut-être dans la maison là. Est-ce que dans la... Non, dans la maison il y a rien. On va aller vérifier. En vrai, je suis sûr qu'il y a un endroit où on peut se TP, mais je sais plus. C'est pas là, 100% c'est pas là. Let's go en vrai. Tranquillement de ce côté. Tac. Je suis pas retourné voir les. Je suis pas retourné voir les petites fées. J'y retournerai peut-être après. J'avoue qu'il nous faut un. On a besoin de calme, ok. Donc je retournerai voir Daisy plus tard aussi. Et pareil, Days, en fait le truc c'est qu'ils ont tellement de maîtres mais qui sont pas ouf pour certains persos. Le jeu est pas super équilibré sur ça en fait. C'est-à-dire que tu vas mettre les maîtres sur certains persos et tu vas faire aïe. En fait c'est pas ouf. Tour de l'ange, j'imagine que c'est là de toute façon. Est-ce qu'il y a un autre emplacement de pêche? Non. J'imagine que c'est celui-ci. Donc là il doit y avoir des lots. Par contre il nous faut un centre. Et ça c'est compliqué parce que je crois que j'en ai pas. On va voir. J'ai pas acheté ton truc pour la pêche comme ça. Équipe. Voilà. On va voir. Mais c'est le seul endroit où il y a des lots ici. On va essayer d'en choper. Je pense pas que c'est une lot ça. On va voir. Reviens, 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 reviens. Ah putain, j'ai perdu. J'ai forcé un peu trop, je l'ai perdu. Ah la pêche dans ce jeu, je vous ai dit, hein, c'est la vie. Il y a moyen que ça, ce soit des lots tout au fond. Hein. Dis-moi que c'est une lotte. C'est le même poisson que tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. En bas en rouge, je crois que c'est le truc du jour de la cam. Enfin de la nuit. C'est bon, parfait. Dorade. Lourd. Lourd, lourd, lourd. En vrai... Une bête grenade, ça peut peut-être marcher, je sais pas. Parce que j'ai trouvé une solution où on me disait que c'était que seulement des cintres qu'il fallait. Je sais pas où choper des cintres. C'est peut-être plus tard dans le jeu après, mais... Parce que pour l'instant, il semble pas avoir marqué une seule fois cintre. Ça m'aurait marqué dans les items pour. Oh, mon ami, tu peux revenir, s'il te plaît. Il s'est fatigué. Ça, c'est une dorade. C'est pas une lotte. 100%, c'est pas une lotte. Mais arrête! Laisse-toi faire! C'est bon, t'as couru là.
Tout va bien se passer. Nous sommes des professionnels. Quand il saute, j'ai l'impression que le fil rouge il est beaucoup beaucoup moins tendu. Là, il va repartir 100%. C'est sûr. Quelle petite biatch. Ok, so. Very good. Black Porgy. Ok. Attendez, on va essayer de retrouver. Les copains, bonjour à Crash, du coup je me retrouve encore devant mes reliefs. J'en peux plus, on a rien fait sur cet épisode. Mais en tous les cas, je pense que le centre c'est pas tout de suite, malheureusement. Ce sera peut-être pour plus tard. Donc on reste, je sais pas ce que je vais lui mettre comme maître. Mais en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Et moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi. A la prochaine, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.